ingénieur en agroalimentaire, ça doit être galère. Bah non, pas du tout. Regardez, je suis là, en pleine forme. Non, je dirais plutôt ingénieur en agroalimentaire, c'est super. Parce que c'est plein de métiers différents, c'est plein de thématiques différentes et c'est une filière avec beaucoup d'enjeux dans notre société actuelle. Alors les gens aiment les ingénieurs travaillant en agroalimentaire parce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui est compétent, qui va connaître et qui va maîtriser son savoir-faire. Et dans notre société actuelle, où vraiment l'agroalimentaire, c'est l'enjeu de demain, on doit manger sainement, on doit manger des produits où la sécurité est assurée à 100%. Donc l'ingénieur va venir rassurer parce qu'on va maîtriser nos process et nos produits de A à Z. Travailler en qualité, je dirais que c'est super. Alors c'est vraiment un métier qui, au sein de l'entreprise, on dit, c'est la phrase, c'est la qualité, c'est l'affaire de tous. Donc on est vraiment en support, à l'interface vraiment avec les différents services de l'entreprise. Et on est garant de la qualité du produit et de la sécurité alimentaire. Et c'est un métier qui tous les jours est différent. Et avec toutes les évolutions réglementaires, les évolutions de niveau de sécurité qui évoluent chaque année. Donc être ingénieur dans mon secteur, c'est de venir travailler à l'interface et en support des différents services d'une entreprise pour venir produire des produits de qualité et de garantir la sécurité alimentaire des produits. Ce que j'aime bien sur la partie ingénieur, c'est vraiment la partie pluridisciplinaire. Sur une formation qu'on pourrait dire un peu équivalente sur un bac plus 5 par exemple en un master, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus spécialisé sur un seul domaine qu'en ingénieur où on nous demande de vraiment essayer de rester le plus large possible tout en restant bon dans notre travail. Alors, l'ISA, ce que j'ai bien aimé sur la partie agroalimentaire, alors ça c'est vraiment un gros point, c'est la halle au sous-sol, parce que ça nous a permis vraiment de travailler avec des procédés pilotes pour vraiment se rendre compte ce que c'était la partie agroalimentaire. Donc là-dessus, j'ai beaucoup apprécié. Et après, il y a aussi tout l'enseignement que j'ai pu suivre pendant mes 5 années à l'ISA qui m'a permis vraiment de voir les différents points et les différents enseignements en lien avec l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je veux recruter et ben mon patron pour mon service me demande de recruter un ingénieur ISA parce que ça véhicule un vrai savoir-faire et une valeur ajoutée dans le monde du travail.